mont des Oliviers. Ils ont déjà pris en 67 un bâtiment que nous voyons qui servait comme poste de police à la police jordanienne avant 67. Donc ils l'ont transformé en poste de police israélien. Puis après, ils ont commencé à annexer les terres petit à petit et on voit bien les nouvelles colonies qui ne sont pas très très anciennes, qui sont reliées à tous les espaces verts que nous voyons, les seuls qui restent dans cet endroit et qui vont jusqu'à la cité de David. Et puis ça continue jusqu'à la porte de Jaffa. Le quartier de Silouane qu'on voit en contrebas, il va être totalement, complètement réduit. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de démolitions de maisons parce que pour les Israéliens, la plupart des maisons qui sont construites ont été faites sans autorisation. Donc comme ça, ils vont réduire la population palestinienne. Leur objectif initial, c'était 20% dans le Jérusalem. Ils peuvent tolérer jusqu'à 30%, puis après, ils peuvent leur dire, vous pouvez, même si vous voulez devenir citoyen israélien, dans la capitale éternelle du peuple juif qui est Jérusalem. Le maire de Jérusalem, Barakat, d'ailleurs je ne sais même pas d'où il vient ce type, il a envie de raser toutes ses maisons pour faire un jardin de Torah. À la suite du jardin de Cité David, que vous allez voir. Et bien sûr, nous sommes des Jérusalémites depuis très longtemps et nous avons refusé ce plan mauvais, médiocre. مما ادى الى معركه بيننا وبينهم صار فيها عندنا قتلى عندنا جرحى عندنا معتقلين et donc il y a eu des confrontations et on a payé le tribut, nous avons eu des morts, nous avons des blessés et puis nous avons plusieurs emprisonnés. اضرب مثال على اسرتي انا اولادي الثلاثه اعتقلنا. Par exemple moi et ma famille, moi et mes trois enfants, nous avons tous connu la prison. Mes enfants là, du plus jeune 9 ans jusqu'à l'aîné 14 ans et demi, ils ont été arrêtés 22 fois. Moi je veux simplement vous montrer un peu que nous sommes vraiment de réticents, le registre dans le quartier de Jérusalem. Pour que la nativité reste, plutôt le Saint-Sépulcre reste le Saint-Sépulcre, qu'elle reste l'Aqsa, reste à l'Aqsa. Et je me considère comme vraiment le représentant de tous les esprits de justice et mais également de toute la communauté chrétienne et musulmane à travers le monde. Mais, il ne voulait pas aller à l'école, il ne veut plus aller à l'école et même quand il allait à l'école, il prenait avec lui ses jouets parce qu'il avait toujours peur de revenir et puis de trouver sa maison démolie et puis perdre ses jouets. Est-ce que les... La majorité des enfants. Et puis la majorité des enfants sont dans cette situation. Et puis nous avons donc un centre associatif ici dans le quartier, qu'on va voir peut-être, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des mères de ces enfants et des mères des martyrs pour les aider à surmonter ces difficultés. Gracias.